face à Collins. On a glissé, oui, il a glissé. Et donc Dakoury a pu intercepter. Ouh, oh là là, ne cherchez plus le plus beau panier. Dès la troisième minute, il pourrait bien être là avec ce ralenti de René Pierre-Campagne. Il prend son impulsion. Oh que c'est beau ce panier de Richard Dakoury. J'espère que nous l'avons de face également. Oui, nous l'avons de face. Ça va être un grand moment. Regardez, impulsion de Dakoury et panier. Ne cherchez plus le panier que vous verrez dans le stade de demain. Ah, il était loin. Richard Dakoury, marqué par Arkega. Arkega, Dakoury. Richard Dakoury, et oui, deux points de Dakoury. 80-71. Oh, bonne défense de Massenbourg. Pour Richard Dakoury, 56 par. Et puis Rouskoli avait signé un long contrat il y a deux ans de cela. Trois points pour Richard Dakoury. Richard Dakoury se plaignait dans les journaux locaux d'être devenu un joueur 100% défensif. Ben là, il prouve qu'il a encore la patte en attaque. Magnon. Oui. Bilba, Dakoury. Ouais, accordé. Il fait un grand match, Richard. Accordé et faute. Porté. Ressort pour Danny Young. Voilà. Dakoury. Il a du mal à trouver une position de shoot, mais il suit parfaitement son ballon. Il est au shoot, il est au rebond, il marque. C'est la vigilance. Il a suivi son tir manqué. Et ce soir, Dakoury vole lui aussi. Flying Dak. Agassi. Connaissent l'importance de ce match. Dakoury. C'est en tête de raquette que Limoges trouve des bonnes positions en ce moment. Ouais, un shoot arc-en-ciel, Georges. Hein. De quoi, Richard Dakoury. Quelle vitesse d'exécution. Parce que là, il enchaîne ce tir à une vitesse formidable. Dans le bon sens du terme, hein, au basket, on est. Oh, oh non, 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 non. Un tournant important, là. Et Eddie Johnson est fou de rage de s'être fait piéger par Richard Dakoury. Deux joueurs d'expérience. Bah, tant pis pour lui. Bien joué. Si Limoges marque, c'est Limoges qui remporte la Coupe Pustel. Dakoury, le capitaine, qui va y aller tout seul, Richard. Oh, match de Dakoury. Attention, ce n'est pas terminé. Il a certes un lancer franc supplémentaire, mais il restera 10 secondes à Pau pour essayer d'égaliser. Quel exploit de Dakoury, qui est allé planter un match à 10 secondes de la fin du match. Middleton, porté. Ah oui, oui, elle est belle. Et Dakoury. Et main gauche en plus. Il est monté haut. Ah, Forte est content, il a le sourire. Oh, c'est remarquable. Ça, ça date de l'ère Jean-Michel Sénégal. Je crois que c'est Jean-Michel qui a remis à l'ordre du jour cette... Ce soir, il revient à la maison, ici à Limoges, où il a passé 18 ans de sa vie. À 18h30, il est rentré dans le Palais des Sports de Beaublanc. Il a retrouvé des têtes connues, des amis, presque des frères pour certains. Mais aujourd'hui, cette scène que l'on n'aurait jamais imaginée il y a encore quelques mois, elle est réelle. Richard Dakoury rentre dans le vestiaire des visiteurs, celui du PSG Racing.
Il va arriver bien évidemment en dernier au sein de son équipe, même s'il a le numéro 11. Il va passer en dernier pour recevoir une véritable ovation de la part du public de Beaublanc. Écoutez l'ovation pour Richard Dacoury. Aperçu Laurence, la femme de Richard. Ah oui, il y a une grosse émotion, et dans les yeux de Laurence, et dans ceux de Richard aussi. Un grand moment d'émotion, vraiment. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui ne se sont déplacés que pour voir Richard. Ah, on n'efface pas 18 saisons, j'ai bien dit 18 dans un club. 8 titres de champion de France, 4 coupes d'Europe sous un maillot mythique, comme ça. Et c'est vrai que souvent, on a dit que Richard Dacoury avait quelquefois une petite attitude un peu éthérée, un peu hors des choses. Là, on se rend compte de son extrême sensibilité. Pour un grand champion qui a tout connu, eh ben, il y a quand même les larmes pour le retour dans le club de son cœur. Alors bien évidemment, la question que tout le monde se posait, si futile et en même temps tellement importante à la fois, c'était combien de temps va durer l'ovation. Alors que là, on voit Fred Forté, un de ses compagnons du titre européen en 93, qui lui aussi a les larmes aux yeux. Ah, il s'appelle tous les trois jours. Alors bien évidemment, tout le monde a prévu quelque chose pour le retour de Richard. Il y a les deux clubs de supporters, l'un c'est les Granata Corps, l'autre c'est les Yellow Boys. Alors du côté des Granata Corps, c'est une bouteille de champagne version Magnum avec son nom gravé dessus, Richard qui remercie ici. Et de l'autre côté, les Yellow Boys qui, eux, ont proposé un livre d'or depuis déjà de très nombreuses semaines où tout le monde pouvait déposer des paraphes. Sachez par exemple que Yann Bonato a déposé un petit mot, Jean-Michel Sénégal aussi, Willy Reden qui passait dans les parages aussi a déposé un petit mot à l'attention de Richard. Le livre d'or, mais aussi de la part des Yellow Boys. Voilà, Richard et Frédéric. Très beau geste de la part de Frédéric Forté qui amène Richard au milieu du parquet et qui demande au public de faire une ovation. Ah Richard, c'est sympa comme geste de la part de Fred, ça. Oh ben, c'est mon ami, bon, c'est une preuve de plus qu'il en était besoin, c'est super sympa, bon, on l'adore aussi pour ça. Bon Richard, il faut nous raconter comment ça s'est passé, tout depuis le début, et surtout le début, parce que ça n'a pas été facile à gérer. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'était plus difficile que j'aurais imaginé, ça m'a un peu beaucoup sorti du match, là. Je jouais avec un quintal de pression sur les épaules, j'ai pas pu m'en sortir, un tout petit peu à la fin, mais c'était beaucoup trop tard. Apparemment tout le monde veut que je parle, donc j'avais bien envie de parler, ceux qui me connaissent savent que j'adore le micro. Quoi qu'il en soit, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre témoignage de sympathie, d'amitié, pour beaucoup d'amour. Sachez que je vous appartiens corps et âme et j'ai pris un gros pied à jouer ce soir, même si j'ai pas été bien bon. C'est un peu à cause de vous si j'ai été un peu mauvais ce soir, mais j'avais trop de pression sur les épaules. Je vous aime et puis à bientôt. Grosse émotion dans la voix de Richard et dans les yeux de Laurence, sa compagne. Le plus beau palmarès du basket français fête son jubilé. Richard Dacoury, c'est un titre de champion d'Europe, une coupe des coupes, deux coupes Corach et 9 titres de champion de France. Richard Dacoury, c'est aussi et surtout 18 ans de carrière à Limoges, la ville qui l'affiche aujourd'hui sur ses murs pour une journée forcément spéciale. Le jubilé Richard Dacoury, c'est tout de suite et c'est sur Eurosport.
Finalement, la balle sera pour le CSP, version début des années 90. Et la qualité de passe de Yuri Vdoche, vous avez vu ça? Un Richard qui avait fait l'effort pour finir la contre-attaque. Pascal Viard. Égalité 99-99. Regardez ça, il ne reste plus que quelques dizaines de secondes. Et regardez comme il est gentil Fasoulas. C'est sympa, non? Il ouvre et en plus il vient sur la photo. C'est sympa. C'est quand même un super esprit. On dit que j'arrête pas de critiquer les Grecs, mais regardez, je trouve admirable de la part de Panayotis Fasoulas pour la balle de match de s'effacer, de laisser Richard aller dunker. C'est quand même vivre. Super bon esprit. Garçons comme Fasoulas, comme Yannakis, sont des gens qui savent vivre. Et voilà, c'est fini. Le dernier shoot de Jordi Villa est manqué. Pas. Et c'est ainsi que les amis de 20 ans s'imposent de deux petits points. Et le panier de la victoire, c'est donc celui de Richard Dacoury sur un dunk. Comme quoi, dans la plus belle des histoires, tout est bien qui finit bien. Voilà. Et là, ça a été séance d'embrassade et d'étreinte. Voilà tous les joueurs qui viennent au centre du parquet. On va en terminer pour ce jubilé. Regardez ce plateau, il est magnifique, il est venu pour vous. Un petit peu pour moi aussi, je vous avouerai, j'en suis sûr. Et je crois qu'on a vraiment passé un moment super. J'aurais voulu qu'il se prolonge encore toute la nuit. Je voulais vous dire merci en leur nom et puis du fond du cœur. Je vous aime. Terminé par ça, ça marche toujours et on sait que Richard, c'est vraiment sincère. Ah oui, là. Ah. C'est une tranche de vie. C'est le jour de la petite mort. Il y a une grande vie devant. Il était pas mal sur les pistes de danse aussi, Richard. Il tiendra sa place. Oui, quand il dit j'aimerais que ça dure toute la nuit, hein, qu'on se rassure, hein, pour certains ça va durer toute la nuit, hein. Il y en a plein qui vont décompresser encore. Avec Grégoire, nous on danse pas. Ah bon. Je vous ai pas entendu. Oui, mais ça passe très bien. Richard, on se retrouve au milieu de tous vos supporters. L'émission est très très forte ce soir encore. L'émotion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est au-delà de tout ce que j'avais pu espérer ou tout ce que j'avais pu rêver tout simplement. C'est un énorme cadeau qu'ils m'ont fait là. Ce plateau, ce public. Que demander de plus? La vie est belle. Tu retiens plus les 18 ans passés ici ou finalement cette soirée où il y a plein de choses qui sont remontées? Ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'il y avait même plus de 18 ans sur le plancher. Il y avait toute ma carrière sur le plancher. Il y avait 150 joueurs et tout un panel de joueurs que j'ai rencontré tout au long de ma carrière. Là, c'était un pan de ma vie qu'on avait sur le plancher et on a pris une leçon d'histoire. C'était vraiment génial. Bah, la leçon d'histoire, on va la poursuivre avec Jacques et David qui vont diffuser la seconde période de ton jubilé. Ça, c'est un match, une sélection de plus en fait, non? Oui, on peut dire ça. Mais je suis content que Jacques puisse commenter ça parce que pour lui aussi, ça doit être assez fort parce qu'il a vécu, il a fait partie de tout cela. On aurait voulu le voir sur le terrain. Alors Jacques, j'irai pas l'année prochaine parce que c'est terminé, mais vraiment j'ai pensé très fort à toi ce soir. Ok, merci Richard. Jacques et David, c'est à vous pour la suite. C'est gentil ça, non? Ouais, c'est gentil. C'est gentil et c'est vrai en plus.